Hola, alors ce vidéo c'est pour Patricia qui va apprécier là. Je crois que tu vas apprécier ça. On est dans un Airbnb tout neuf qui vient juste d'ouvrir au mois de décembre. Ça c'est la salle de bain. On voit d'en haut, c'est ouvert en haut comme ça. Vous voyez, on voit le bois, ils ont utilisé du bois pour faire la forme. Alors c'est ouvert ici, il y a un rideau comme ça. C'est à l'extérieur. On est là, c'est la propriété d'à côté. Et comme tu vois, c'est un rideau pour qui finit l'hôtel, sans mur, bien sûr. Et on a une chambre, alors c'est un peu japonais. Ils ont eu une influence, ils adorent l'architecture japonaise. Alors ça, c'est, on ferme ça la nuit pour éviter les moustiques. C'est chauffé et air conditionné comme ça, mais on ne s'en sert pas. Alors on va quitter la chambre, là, on marche au long du. On a un MS partout, bien sûr. Et là, alors, ça fait une drôle d'impression. On a l'impression qu'on va tomber, qu'on va, si on est, si on a trop bu, ça risque d'être un problème. Alors, je ferme la porte comme ça. Et bien sûr, il y a beaucoup de sécurité. On pourrait passer comme ça, c'est pas vraiment, mais c'est pas un problème, je crois pas. Alors là, on rentre comme ça. Et c'est encore ouvert ici. C'est tout ouvert. Il y a deux autres chambres là-bas. Et puis il y a les escaliers. Et puis on descend comme ça. On descend là comme ça. Et on arrive à l'entrée. Alors ça c'est l'entrée de l'hôtel Lido. C'est un petit hôtel. Et alors ils ont fabriqué tout ça eux-mêmes. Ils ont fait les chaises, les tables. Il y a une petite manie, c'est sympathique et c'est la petite cuisinette. Avec des bols, ça c'est, on adore ça, ça vient d'une région du Mexique. Ils ont fait les chaises aussi. Alors maintenant, les chaises comme ça, c'est pas confortable, mais elles sont très très confortables. Et ça c'est, je présente Jorge l'architecte, voilà, qui a eu cette idée, qui a construit tout ça, et c'est construit très, c'est construit à résister les tremblements de terre parce que c'est un risque. Alors il y a encore un petit salon ici. Je fais un tour pour la familia. Et ça c'est la femme de l'architecte Cactus. Voilà. Et la piscine, elle a une magnifique piscine, magnifique. Là, et regardez ça, regardez un peu ça comme c'est génial, c'est magnifique. Alors voilà le tour de ce petit hôtel. Il y a 8 chambres dans un endroit du Mexique, à Pancho, je veux dire San Pancho. Je vais sortir pour vous montrer la route. Là, une route très très simple. Et regardez-moi les plantes et comme ça. Alors vraiment, c'est absolument une expérience. Il y a une auto ici à retaper. Oh, et peut-être un jour on achètera ça. Et là-bas, la route en terre. Et on est garé là-bas. J'ai même pas fermé la porte. J'ai obligé de fermer à clé. Et l'hôtel, vu de dehors, quand on est arrivé, on disait, mais on trouve pas, on s'est perdu. Parce que ça, c'est l'entrée. Et tout pousse, là, et ça c'est la sécurité, comme ça. Enfin, c'est fantastique.